On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Elsa Fayer, Isabelle Motron, Florian Gazan, Jérémy Michalak, et la vedette du jour. Je sens qu'il faut lui remonter le moral. Alors, Stevie Boulet. On l'a tous vu ce matin arriver. Il y a un truc qui ne va pas. Cet après-midi surtout. Qu'est-ce qu'il a, il est hétéro? Il est arrivé ce matin. Il déprime à Europe 1 depuis ce matin. C'est pour ça. Et c'est terrible. On est vos amis, nous. Vous savez bien. Je sais. À chaque fois que je vous vois, je ressors d'Europe 1 avec un moral regonflé. Donc vous allez me regonfler le moral. Que le moral. On te regonflera que le moral. Pour le reste, tu te démerdes. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Ah tiens, j'ai Florent déjà au téléphone. Salut Florent. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors là, vous voulez vous en prendre à Joujou, attention, hein. Vous devrez me passer sur le corps avant d'attaquer Joujou, Florent. Je veux pas du tout m'en prendre à Joujou, j'ai un petit conseil recyclage à lui demander. Vas-y. J'ai arrêté de jeter mes poubelles, ouais. Je voulais savoir si je les stoppe pendant 3 ou 4 ans, est-ce que j'ai une chance de faire du pognon en les envoyant aux States après? Pourquoi? Aux States. Aux États-Unis. Je crois qu'il parle de tes émissions. Je peux faire une émission avec ça, ouais. C'est quand même assez intéressant. Vous l'appelez le Guy Lux du 21e siècle. Oui, c'est un peu ça. C'est une espèce de fossoyeur à l'envers, je trouve. Sauf que sa vachette à lui, c'est Loana, quoi. Il est déter. C'est intéressant, le fossoyeur à l'envers. Bon, vous l'aimez bien quand même. Ah, j'aime beaucoup Michalak. Avec les années. Mais sur ces projets télévisés, il va falloir qu'ils bossent un peu. Non, mais ce qui est assez drôle, c'est les phrases qu'il y a, parce qu'il y a les auditeurs maintenant qui regardent votre émission, grâce à nous aussi, Joujou. Merci alors. Ah oui, parce qu'il y a Jérémy Tosca qui note les phrases de vos candidats, là, les anges de la télé. Mais il regarde pas, il regarde jamais, mais il les note. C'est un autre, celui-là. Ouais. Alors lui, il dit j'ai entendu dans l'émission de Jérémy Michalak un candidat qui a dit le bois, ça vient de l'arbre. Ah, c'est Brandon. Brandon. C'est Brandon. Je c'est crois génial. Pas. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est Jean-Claude Van Damme, Brandon, il est énorme. Ah, il est dingue, il est génial. Entre nous deux, il y a un mal à l'aise. C'est joli, je trouve ça. Mais ça, c'est joli, c'est de la poésie, ça. Ça, c'est pas mal, entre nous deux, il y a un mal à l'aise. Il faut savoir que Brandon, en fait, est un fan de yoga et de yanta. Il est parti à Miami avant toute chose pour reconstruire son totem originel. Ah oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il nous l'a longuement expliqué quand même. C'est la guerre entre tous les deux. Ça, c'est joli quand même, c'est la guerre c'est entre beau, tous ça, les deux. La poésie. Le physique est quand même assez important pour être mannequin. C'est vrai que parfois ça compte. Ouais. Non, moi je dis, voyez, sans Joujou, on n'aurait plus ces phrases-là à la télévision. Faut que vous en rendiez compte quand même, cher auditeur. Ah oui, il nous offre des morceaux d'anthologie. Je vous régale. Moi je finissais mon mail en disant simplement ne virez pas Miller, hein, parce que si ça se trouve, il va prendre de la valeur. Allez, on vous remercie, c'est gentil d'avoir appelé Florent. Et cet après-midi à 17h50, Pamela Anderson qui débarque dans l'émission. C'est dans pas les vrai. Pamela Anderson. Ah, il a du lourd, hein. Mais vous la vraie Pamela Anderson. Ah ouais, pas Christine Bravo. Non, j'ai dit Pamela, pas Marine. Non, la vraie. Ça t'a coûté le budget de l'émission de la faire venir. Ça m'a coûté un bout du budget de l'émission, ouais. Effectivement. Je m'inquiète, me dit Denise. Ah bah, elle est au téléphone, on va la laisser parler directement. Salut Denise. Bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe. Bonjour Denise. Ah, Titoff nous manquait, ça tombe bien. Je peux pas cacher mon origine. Eh ben non, madame, vous venez du Nord, pas de Calais. On l'a reconnu. Pour tout dire, je suis née à Cannes. Eh oui, et Denise. Raphaël, voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Eh ben, je me faisais beaucoup de soucis, parce que quand j'ai vu la superbe maison de la famille Strauss-Kahn, je me demande qui va faire le ménage. Eh oui. Anne Sinclair. Je sais pas, 4 chambres, 4 salles de bain, il y a beaucoup de boulot pour Monsieur Strauss-Kahn. Elle a raison, 630 mètres carrés, il faut une dizaine de femmes de ménage. Eh oui, mais il n'a pas le droit, donc c'est Anne Sinclair. Qui va tout se taper, mais il a rien pauvre à faire de la journée en même temps. Il a sa défense à préparer. Ouais, je crois qu'il a 2-3 trucs qu'il occupe. On peut pas dire qu'il branle rien. Non, ça il pourra jamais s'en empêcher. Voilà, surtout en ce moment. Je voulais vous dire Vous êtes choquée, Denise, alors par la maison, ça vous choque vous ou pas? Parce choquée, c'est pas le mot, mais un peu écœurée, mais bon, il a les moyens. Hein. Eh ben, oui, voilà, quand on a les moyens, on a les moyens. Hein. C'est pour comme ça. Dire, je
dis à mon mari, reste tranquille, ne fais pas ce genre de truc parce que ouais. moi, je pourrais jamais te sortir de là. Elle est marrante, Denise. Elle est lucide. c'est non, ça. Christine, vous auriez fait ça pour votre mari. Mais ça va pas. Jamais la tête, de la vie, c'est trop cher. J'ai vu la une de VSD. Ça lui a déjà coûté à Anne Sinclair 6 millions de dollars. Déjà, il y a déjà 6 millions de dollars de dépensés. Moi, je l'aurais viré. Enfin, c'est pas, je l'aurais laissé croupir à Rikers. En plus, je mais t'as pas de cœur. Mais tu rigoles ou quoi? Attends, et ses enfants, et les enfants qui voient partir comme ça, leur héritage. Non. C'est vrai qu'à Noël. Non, mais c'est vrai, la raison. Sans compter les enfants qu'on a retrouvés sur la moquette. Ceux sur le col. Ceux sur le col. Ouais. Parce que le col est enceinte, il paraît. Hein. Le col est enceinte. Non, à vous, non, mais une femme doit soutenir son mari jusqu'au bout. Pas quand t'es cocu à ce point-là, aux yeux du monde entier, dis donc qu'il va se faire foutre. Hein. Non, mais ça va bien. Non, mais franchement. Ah, oui, toi, tu le sors de là. Non, elle le connaît mieux que personne, et si elle a envie de le soutenir, eh ben, c'est mais elle fait ce qu'elle veut. On me demande ce que moi je fais. Ah, je suis d'accord, mais toi, t'as un cœur de pierre. Elle est généreuse. Vous, Elsa, vous soutenez jusqu'au bout. Moi, si je suis sûre qu'il est innocent, oui, je le soutiens jusqu'au bout. Ah, si vous êtes sûre qu'il est innocent. Ah, oui, je vais pas le soutenir pour rien non plus, sinon je vais rentrer chez ta mère. Il faut lui laisser la présomption de fidélité. À 6 millions d'euros, il est coupable pour moi. Et toi, Stevie, si ton mari se tapait une femme de ménage, tu vivrais bien. Un homme de ménage, à la rigueur, il ferme les yeux. Oui, il faudrait partager, quoi. C'est plus simple. Bon, en tout cas, voilà, Denise, merci pour votre appel et votre remarque. Vous avez des chouchous dans l'équipe, Denise ? Justement, j'allais vous le dire. Mes préférés, entre guillemets, j'aime tout le monde, mais j'adore Claude Sarotte. J'ai lu son bouquin, là. Pierre Bénichou et Christine. Ah, Christine, bravo. Et bien sûr, vous, Laurent. Ah, bah quand même. J'ai eu chaud, Denise. Je suis une vieille fidèle et quand je peux, j'écoute ou je regarde la télé, mais je suis souvent en écoute. Moi, je préfère les jeunes pas fidèles à les vieilles. Aux vieilles fidèles, mais enfin. C'est pas vrai, Denise, c'est pour faire un mot. Je vous fais quand même un bisou. Ah, ben moi aussi, je vous en fais des bisous. Qu'est-ce que vous aimez chez Christine? Parce que ça m'intrigue toujours. Ça, moi aussi, ça nous intrigue. J'adore sa radinerie. Je la soutiens à chaque fois que vous l'attaquez. Ah, c'est vrai? Je l'attaque rarement, Christine. On m'a envoyé une histoire là sur Christine. Et... c'est vrai que tu m'attaques rarement. Sur Christine et Stevie. C'est Christine Bravo qui est invitée à une partie de chasse aux gorilles. Et comme elle veut pas avoir l'air conne, comme la dernière fois avec le mari de Perry Cochin, elle demande des conseils à Stevie qui connaît bien la nature, hein, puisqu'il va tous les jours à Jardiland. Et Stevie donc décide d'accompagner sa copine Christine avec son petit chien à la chasse aux gorilles. Il donne un fusil à Christine Bravo. Voilà. Et là, Stevie dit à Christine, alors je t'explique Christine, je vais monter dans l'arbre, je vais secouer l'arbre, le gorille va tomber, le chien va lui attraper les couilles, et là il sera paralysé, t'auras le gorille. Mais alors il sert à quoi le fusil, dit Christine. Ben, si c'est moi qui tombe, dit Stevie, tu tues le chien. On vous embrasse, Denise. Ça va faire quelques mois maintenant que j'écoute votre émission, m'écrit Romuald, et vous savez pourquoi? Non? Ben moi non plus. Ça, c'est un drôle de mail, mais bon, c'est toujours amusant. Théo me dit, je suis indigné par les propos qu'a tenu Christine Bravo sur le viol la semaine dernière. Oh, merde, et surtout par sa mythomanie. Ah. Qu'elle nous fasse croire qu'elle était dans l'avion précédant celui qui s'est enfoncé sur les tours jumelles, d'accord. Qu'elle nous dise qu'elle avait annulé un voyage au Japon la veille du séisme, ok. Mais qu'elle essaie de nous faire croire qu'elle a déjà intéressé un homme à outrance, on n'est quand même pas complètement fous. Ben vous voyez, je vous dis, je vous trouve, Laurent, de très mauvais goût. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on rit pas avec ça. Ah non, non. On s'écrase et on demande pardon aux auditrices. Pardon. À toutes nos auditrices qui toutes ont. Nos auditrices. Voilà, et on dit merde à ce connard qui vient d'envoyer ce merde mail. Merde à ce. Oh non, pas quand même, Théo. C'est moi, je suis assez d'accord avec Christine. Hein, ah, oui. Je dirais volontiers merde à ce connard. Quand même. Si, ah bah, Théo va vous répliquer. Hein. Oui, mais Christine n'est pas très aimable non plus avec les auditeurs. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Il faut le savoir. Par exemple, il y a Jean-Daniel d'Épouville. Il vous a fait des propositions, des avances l'autre jour. Il vous aimait beaucoup. Il disait que c'était quand vous vouliez, tout ça. Et alors, vous avez dit. Ah, il m'a envoyé un mail depuis. J'ai fait un mail pour faire des éloges sur Christine Bravo. Elle m'a répondu, j'ai pas bossé 40 ans pour finir au Havre. Ça
Ben, je dois dire, Christine, c'était pas non plus. J'ai de la famille à Cannes. J'ai de la famille à Cannes et j'aurais pu l'emmener, dit-il. Maintenant, il n'y a pas que Paris en France. Elle a perdu un de ses maigres fans. En plus, je travaille dans une banque et j'aurais pu lui apprendre à faire des économies. Pour reprendre mon expression d'hier, si elle disait oui, maintenant, je dirais surtout pas. S'il vous plaît, continuez à la massacrer à l'antenne. Et voilà, tu l'as vexé. Et voilà. Et on l'a vexé un encore. C'était un mot d'esprit, bien ouais, sûr. Bah, oui, mais enfin, quand même. Il a raison, Christine. Il n'y a pas que Paris en France, quoi. Oui. Oh, Juju. Oh non, c'est vrai. Pas toi, Michel. Non, c'est vrai, c'est vrai. Juju, c'est le plus mondain des mondains. Non, mais les Les Strauss-Kahn à côté de lui, c'est des ploucs. En plus, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait que Paris en France. J'ai dit qu'il n'y avait que le 6e arrondissement. Ah, ça démarre bien cette émission. Ah, ouais, j'adore. Ah, finalement, c'est vrai que je pourrais présenter de la télé-réalité. Ah, je te vois bien, c'est formidable. Le jour où ça va mal, hein. Mais Laurent, rejoins-nous, rejoins notre set, oui, Jérémy et moi, les petites gens, tu sais, les tout petits pour la télé-réalité. Bascule du côté obscur de la télévision, viens avec nous. Oh, il y a déjà Zemmour et Nolo qui vont en faire l'année prochaine. C'est vrai que t'aurais pu faire un vote pour Zemmour et Nolo. Ouais. Ah ouais, ça aurait été drôle. On va peut-être reprendre les anniversaires finalement. Ouais. En plus, il y en a tous les jours. Hein. Les avis de décès, c'est sympa aussi. Ah, remonter oui, c'est le moral. Pas mal. On est venu pour remonter le moral. C'est ton papa qui est mort. Vous êtes affreux, enfin. Non, vous allez encore me faire avoir ce tic verbal parce que j'ai pas lu le même. Il y a un auditeur qui me disait qu'il fallait que j'arrête de dire c'est horrible. Il paraît que j'arrête pas de dire dans l'émission c'est horrible tout en rigolant. Alors, oui. C'est horrible. C'est ça. Vous allez arrêter de vous moucher, Christine. Ah, dis donc, tu vas m'énerver. Mais non, mais quand vous ton émission. Non, mais quand vous mouchez, d'abord, vous sortez un drap de votre. C'est la dernière à avoir des mouchoirs. C'est rapport à son nez. Hein. Je me suis. C'est vraiment dégueulasse. J'ai des allergies au pollen. Je me recule de 8 mètres et tu viens m'emmerder. Enfin, mais tu peux pas t'occuper de ton émission. Mais je m'occupe de mon émission, justement. Mais t'as un peu de dos, Christine. Et justement, et quelqu'un qui doit participer à cette émission qui arrête pas de se moucher puis de faire. Regardez, il est vert, Joujou, à côté maintenant. J'ai topé sur l'épaule. C'est horrible. Elle est en forme. Je sais pas, vous qui l'avez pas vue depuis longtemps, Elsa. Moi, je la trouve rajeunie même. Qu'est-ce qui se passe? Je sais. Je pense qu'un homme est entré dans sa vie. Non. Mais il est ressorti tout de suite. Il a trouvé l'escalier de service. C'est qui? C'est qui? Je te le présenterai, tiens. C'est vrai? Vous avez aussi un homme dans votre vie? Bah, un homme. J'espère qu'il n'écoute pas. Il va, il vient quoi. Ah ouais, c'est un petit homme en plastique, d'accord. D'accord. Avec une voix de canard. Et tu lui rends un vibrant hommage. Vous l'avez rencontré où alors? Ben à Paris, puisque je sors pas de Paris. Oui. Dans le sixième. Dans le sixième. Ben, voilà. À côté d'Assas. Je peux rien vous cacher. C'est quoi? C'est le gardien de ton immeuble ou quoi? Un livreur. Un livreur. Mais pourquoi tout de suite un livreur? Qui tu veux qu'elle rencontre d'autres à part le facteur et le livreur? Je vois pas. Un homme de ménage. C'est vrai que je sors pas beaucoup de chez moi. Alors. Donc faut que ce soit quelqu'un qui vienne chez moi. Donc qui peut rentrer chez moi? Son avocat, ses enfants, un huissier, votre ex-mari. Un livreur de pizza. Elle a fait un mauvais geste et la caméra est là. C'est pas grave, on dit rien, hein, mais. Elle vient de perdre la moitié de la pension alimentaire. On garde les images. C'est manque de bol, c'est moi qui paye. La pension vient de doubler. Tu vois une nouvelle affaire Anne Sinclair. Tu vois que t'es généreuse. Bah allez, on passe à. On passe au challenge du jour, mais ça sera après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Isabelle Motreau, Elsa Fayère, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Florian Gazan sont avec vous jusqu'à 18h. Avec vous, Brigitte et Mickaël, bonjour. Bonjour. Ils ont l'air bien dynamiques tous les deux. C'est un bon vendredi aujourd'hui. Brigitte est à Nantes. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis secrétaire médicale. Secrétaire médicale, ça veut dire pour un médecin généraliste, un cabinet? Trois médecins généralistes. Trois médecins généralistes. Oh, il y a du boulot alors là. Il y a du boulot. Vous êtes au travail là en ce moment? Non. Vous êtes en arrêt maladie? Non, j'ai Vous nous écoutez régulièrement, Brigitte? Oui, je vous écoute régulièrement, ouais. Depuis combien de temps? Ça m'intéresse toujours, ça. Souvent un podcast, souvent tard le soir.
voilà. Mais depuis longtemps ? Depuis un moment, ouais. Depuis déjà peut-être 2-3 ans. 2-3 ans, très bien. Quand même une quasi nouvelle auditrice. 2-3 ans, ça fait 10 ans qu'on est là, on est compte un peu. Michael est à Mâchemont, et je donne tout le nom de la ville. Michael, c'est où ? Ah ouais, ça s'arrête pas là. Quoi. C'est où Mâchemont ? À côté de Compiègne, je suis ravi de vous revoir. À côté de l'année dernière. À côté de quoi ? À côté de Compiègne. À côté de Compiègne. Oui. Et vous êtes, comment on appelle les habitants ? On vous a demandé peut-être la dernière fois déjà. Non, les habitants de Mâchemont. Ah, les Mâchemontois. Les Mâchemontois. Ah, c'est difficile. vous êtes Mâchemontois. Oui. Et vous faites quoi, rappelez-moi, Michael ? Oui, je suis laborantin. Ah, je m'en souviens maintenant. Oui, voilà, j'avais perdu avec le mot eutodafé. Ah, bien sûr. C'est dommage. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et vous aviez perdu la dernière fois ? Oui, à cause de Miller. Ah, mais il n'est pas là aujourd'hui, pas là. Gérard Miller. Alors, peut-être que c'est cette fois pour vous, Michael, la victoire. Pour vous, pour Brigitte. Un séjour à Perros-Guirec, dans l'hôtel Agapa, hôtel Spanux, sur la côte de Granit Rose, le restaurant étoilé, le Beluga qui vous attend, le sauna, le hammam, le jacuzzi, la piscine, tout ce qu'il vous faut pour passer un superbe séjour en Bretagne. Attention, voici la question qui va vous départager, Brigitte et Michael. Depuis ce matin, 10 heures, qu'ont dû faire à peu près 80 000 personnes. Acheter une place pour un concert ? Oui. Ah, au Stade de France ? Oui. Alors là, il faut trouver. Là. On sait. Le concert des Black Eyed Peas ? Pardon ? Le concert des Black Eyed Peas ? Non, Brigitte, c'est non. Bien d'essayer. Dépêchez-vous, parce qu'on va le dire. Le concert africain ? Non. Depuis ce matin, 10 heures sont mises en vente des places pour le concert au Stade de France le 30 juin prochain de... C'est dommage, il a trouvé. C'est du rock, c'est français. Non. C'est Gaga. Non, c'est Céline Dion. Céline Dion, non, c'est du rock. Oui, du rock, on peut dire du rock. Du rock. Pop, soul pop, rock, plutôt. Ouais. Soul pop. Plutôt soul, même. Funk. Mika. Non. Soul funk. Ouais. Allez. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ouais. Non, c'est saoul, ouais, c'est saoul. C'est très saoul. Vous aimez les biscuits lus, Michael? Oui, j'adore, oui. Alors, réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez dit? Prince, oui. Bravo, Michael. Yes. Pas à peine aidé. Ouais. Non, je l'ai un peu aidé, oui. Parce que franchement, il avait dit 90% de la bonne réponse. Ouais. Ça aurait été injuste. Ouais. C'est super. Ah, Brigitte, vous êtes d'accord? Ça aurait été injuste qu'il ne trouve pas. Vous êtes d'accord? Bon, pas de problème. Merci. Alors, Michael va pouvoir quitter Mâchemont, puisque c'était la deuxième fois qu'il jouait, on n'avait pas dû faire ça. Non. Et vous allez pouvoir partir à Perros-Guirec, à l'Agapa Hotel Spa. Et qui sait, peut-être le 30 juin, allez écouter Prince. Vous croyez que les places se sont toutes vendues en une journée? Oh bah c'est sûr. Ouais. Oui, Prince est énorme quand même. Il ne vient pas souvent en France. C'est quand même une... Et puis depuis que Michael depuis est mort. Depuis Jackson est mort, voilà, c'est le dernier. Mais il se rappelle Prince, il s'appelait Love Amour, là, je ne sais pas quoi. Ah, c'est Love Symbol. Love Amour, c'était la danseuse du Crazy Horse, ça. Love Symbol. Ça n'a jamais marché, ce Love Symbol. Ça, crois-moi, le jour où Love Amour fait le Stade de France, on va se marrer. C'est dans la même salle que Mesraï, à mon avis. Elle va le faire, mais devant, quoi. Elle va faire l'entrée. Ça après Lynn Renault hier soir, ça fait beaucoup. Oh là là. Ah, vous y êtes allé? Ah non, j'ai vu un bout sur France 3, j'ai regardé 2 minutes, j'ai zappé tout de suite. Ah bon? Comme merde. Tout le monde, quoi. Pourquoi? Mais ils ont diffusé en noir et blanc sur France 3. Ah, ça a pas marché? Non. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, mais c'était un peu. Oh, moi aussi, j'ai regardé. Racontez-nous, on n'a pas vu. Eh bien, donc, il y a Lynn Renault en plein boom. si on peut dire. Qui chante avec la pêche qu'elle a, qui est très bien pour son âge, mais. Elle a quand même un certain âge. 82. Jacqueline Maillan. Voilà, c'est un peu entre Jacqueline Maillan et non mais elle est j'ai Aznavour, beaucoup Lynn Renault, c'est formidable, mais... il a 85 ans. Vous avez vu les récents concerts? Moins formidable Aznavour. Aznavour, il faut. Donc voilà, enfin le truc c'est la question te vient immédiatement. Aznavour, il y a l'orchestre qui joue la veille, il chante le lendemain. Ouais. Hein, c'est... quand les gens applaudissent, il entend pas. Je n'entends pas l'Olympia, mais putain, arrête pas de gueuler Charles. Bon, il est un peu sourd, mais à part ça. Non, mais Lynn Renault, on se demande pourquoi elle continue encore, parce qu'elle est charmante, elle joue dans des films plutôt pas mal, quelquefois, elle devrait se contenter de ça. Enfin, je veux dire, mais ça elle va, avait quoi. Envie de chanter, mais enfin. Oui, enfin. Mais elle on verra quand elle aura son âge. C'est dommage, parce que, bon, non, on pourrait rester bien. Sur une belle image, et puis là, quand même. Moi, je la trouve très belle pour son âge. Je trouve qu'elle a des yeux merveilleux. Bien dans elle a raison de se faire plaisir, puis monsieur là-bas, il a. On a adoré ça, monsieur. Ça, je dois le dire. C'était très, 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 très bien. Elle est sympa comme tout, c'est sûr. On a regardé l'émission sur France 3. Ça, je dois le dire. Mais Laurent, tu vas pas te moquer d'un auditeur en plus.
Mais en, il a dû être très beau en plus. C'est pire. Tais-toi. C'est un truc qui fait toujours plaisir, ça. Merci Christine, bravo pour votre compliment. Regarde ses yeux. Non mais bon, tout le monde c'était est pas... C'était très très bien, on a regardé ça tous ensemble à la maison de retraite. C'était en prime time à 17h, c'était bien. Alors, il a invité un petit jeune, là, comment il s'appelle? Johnny Hallyday. Il est chouette, hein. Dis donc, il a une patate. Tu vois, il donne sa chance aux jeunes talents. Vous avez bien fait de vous manifester, monsieur. Hein, tu regardais faire trois, toi aussi. Oui, mais j'ai la télé en couleur, ça me donne mal au crâne. Moi, ma journée, c'est ce que commence avec les chiffres et les lettres. Il est bien, Patrice Lafont. Oui, hein. Après, moi, j'aimais bien Question pour un champion, mais c'est un peu tard maintenant, 18h30. Oui. Et puis alors, il répète toujours la même chose, Lucien Lepers. Il est bien. Hein. Et puis, il a des belles cravates. Hein. Ça, pour régler la télévision, hein, c'est parfait. Hein. Ouais, ça y est, c'est les vents pour le retour. Oui. La version mec. C'est la version mec. Mec des vents. Oui, ben ça va, on est en train d'écrire notre spectacle. ça marche bien. On vous embrasse, Michael. Bravo et Brigitte, vous gagnez un pack Clarins pour la fête des mères. Qu'est-ce que le Cameroun, le Burkina Faso et la Guinée vont faire pour la première fois aujourd'hui? Ils vont fonder une union? Non. L'union du Burkina Faso, de la Guinée et... Bah, ça pourrait être l'union de l'Afrique de l'Ouest. Bravo, car bah oui, vous avez oui, ah, vu un peu, paf, la géographie. Voilà. Non, mais moi, il est très bon connement, j'aurais dit l'Asie du Sud ou un truc. C'est sportif. Ce n'est pas sportif. C'est festif. C'est politique. Festif, ouais. C'est exactement le mot, mademoiselle Fayet. Alors, c'est un concert. Un concert. Un concert. Lynn Renault en tournée au Burkina Faso. Oh, ça va être bien. Non, c'est musical? Ce n'est pas musical. Alors, c'est du cinéma. C'est un festival de cinéma. Non. C'est artistique? C'est pas artistique. Mais ça se passe là-bas, dans un des trois pays? Dans les trois pays. En même temps. Ils vont faire ça pour la première fois, ces trois pays. Ils vont passer l'heure d'été? Non. Ils vont célébrer quelque chose? Non, ils vont pas célébrer quelque chose. C'est la première fois que ça va se passer au Cameroun, au Burkina Faso et en... Non, c'est gratuit. C'est gratuit, tout le monde peut y aller. Ils ont une chaîne de télé commune? Non. Ils sont même pas limitrophes en plus. Oh bah alors, merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Bah je sais pas si c'est des frontières. Supprimons le pays qui est au milieu. On appelle l'ambassade. Tu gommes et tu retraces, merde. Donc ça va se passer en même temps. Et c'est festif. Moi, les Russes sont très limitrophes. Ouais. Mais les Africains, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'Eurovision. De la chanson, bien sûr, après les autres. Ouais, africaine. Africa Vision. Africa Vision. C'est pas mal. C'est une idée. C'est une impression de 12 points. Oh, c'est raciste. Non, c'est Michel Leb. Alors, ça va. Moi, ça va. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour la première fois, mais que nous on fait déjà depuis très longtemps? Bravo monsieur Joujou, ça c'est la fête de la musique? Non. La fête des mères? Non. La fête des voisins? La fête des voisins. Ah, c'est pas vrai. Bonne réponse. Oh, mais c'est alors là. Pourtant ils sont pas limitrophes. Ils ont que ça. Quoi? Ils ont que ça des voisins. C'est la 12e édition aujourd'hui de la fête des voisins qui concerne quand même 34 pays maintenant. C'est parti de la France, cette fête des voisins. Et de nouveaux pays, donc, célèbrent à nouveau ce moment joyeux où on frappe à la porte de son voisin de palier. On dit, allez, ce soir, pour une fois dans l'année, prenons un petit coup ensemble. Prenons un coup ensemble. Aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. C'est ça, prenons ta femme à deux. Ouais, ça, dans l'immeuble de Christine, ça doit être horrible. Qui c'est qui va taper chez Bravo? Tout le monde est traumatisé. Allez, racontez vos voisins. Non, je raconte pas mes voisins, d'autant que je vais les quitter bientôt. Justement, maintenant vous pouvez y aller. Alors je vais te dire, je vends mon appartement et j'ai plusieurs possibilités pour choisir quelqu'un pour me remplacer. Et là, j'ai des Russes bien mafieux et bien. Qui payent en liquide, vachement pratique. Qui me foutent un bordel dans l'immeuble. Alors j'aimerais dire à mes voisins, vous baissez le piano parce que je vais bientôt me décider entre deux acheteurs possibles. Mais les voisins jouent du piano, mais c'est agréable d'entendre du piano. Ouais, des gammes. Oh. Ça dépend, hein. Ça dépend. Le voisin qui débute le piano, oui. Ah ouais, tu peux qui est moins horrible que le voisin qui débute le violon. Le saxo.
sera quand même difficile à supporter longtemps. Il débute aussi la guitare électrique avec et l'ampli. Et la batterie. Et puis sur le coup d'une heure du matin, tu vois, parce que... Mmh. Mais vous dormez pas, vous, de toute façon. Je dors pas, mais ça me dérange. Parce qu'elle pense à si c'est elle dormait. C'est pas parce que tu dors pas que t'as envie qu'elle ouaille ou qu'il y ait du bruit. Oui. Tu peux ne pas dormir dans le silence. Oui. Évidemment. Parce que moi, je médite. Tu vois, je... Ah, c'est ça. Il n'y a plus aucun éditeur qui veut le faire. Je peux pas répondre sur cette antenne parce que après, ça va m'être reproché pour ma pension alimentaire. Donc, rien. C'est faites... vrai, aucun éditeur, je n'ai gagné aucun droit d'auteur, rien, je suis dans la dèche. Vous êtes bruyante vous-même, je suis sûr, par rapport pour vos voisins. C'est vrai, il faut dire les choses, on se rend compte toujours du bruit que font les autres, mais on se rend pas compte du mais bruit qu'on fait. Mais je ne bouge pas de mon lit. Comme bon. Ah bon, mais c'est très je grave, suis Christine. Toute la journée dans mon lit. Et ça grince jamais ton lit ? Non, il y avait non, j'ai un lit tout à fait bien. Ah, mais il pourrait grincer à l'occasion. Non, mais écoute, j'ai compris, sois pas lourd. Mais non, mais j'essaie de savoir comme tout à l'heure on parlait de ton nouveau mec. Bah, il y a pas d'occasion. Non, mais... bon, en fait, écoute, tu excuse-moi, on n'est pas obligé de baiser dans un lit, tu vois, je veux dire. Bon, et donc non mais l'autre, non mais l'autre c'est le blaireau total. Il est marié depuis 22 ans, alors évidemment c'est au lit le soir. Tu vois, mais le samedi. Voilà, voilà. Après, on n'est pas couché. Ouais, pendant. Non, non, ça finit trop tard. On n'est pas couché. Moi, je m'endors. Alors. Je le fais avant. Pendant la pub. Il n'y a pas de pub. Ah oh, merde. Ah, c'est pour ça qu'on a arrêté il y a 10 ans. Ouais. Mais je suis désolée, pas déranger ses voisins, c'est pas monter les escaliers, descendre les escaliers comme un éléphant. C'est bon, enlever ses talons quand tu rentres. Voilà, enlever ses talons quand t'habites et que tu as du parquet par terre. Moi, ça me dérange pas. J'entends les talons des voisins. Oh, mais toi, ça te dérange pas. Même le métro qui traversait ton appartement. Oh, ça rave, alors. C'est moi qui lui avais trouvé un appart. Il y avait le métro qui traversait le salon. C'est super qu'elle m'a dit ton appart. C'est super. C'était un jour de grève de la RATP. Oh là là, c'est comme dans un éléphant, ça trompe énormément. Oui. T'entendais les mecs, je veux de la corde. Le lendemain, j'investis l'appartement, tout content que ma copine Bravo m'ait trouvé un appart. Je signe, je m'installe. Tout vibrait. T'entendais les roumains ou pas? Ah non. Oui, mais enfin, t'es gonflé de dire ça, parce qu'en plus, pour l'avoir, cet appart, je suis allé, moi, donner des biftons à l'agent immobilier. Non. Si, ça m'a n'importe coûté. Quoi. J'ai été débiné, le deuxième couple qui le visitait et qui était célèbre. Ah, qui était célèbre, en plus. Oui, ça qui était célèbre, oui. C'était qui? Mathilde Amet et Gérard Darmon. Allez, voilà. Et j'ai dit, à ce moment-là, à l'agent immobilier, faites gaffe, ils ont des enfants, en plus, ils font de la musique, ils vont vous mettre un merdier dans les... Quelle horreur. Et Laurent, pendant ce temps-là, visitait, et moi je disais, mais vous pouvez pas savoir, en plus, ils sont crado, les mômes, je les connais, ils sont mal élevés. Et puis Gérard Darmon, il fume. Ils fument du shit, ils font des trafics. Ils ont des copains drogués, échangistes. Ouais, c'est terrible. Et du coup, il a l'appart, et le lendemain, le pauvre, métro passe. Ils sont bien foutus de ma gueule quelques mois plus tard. Je ne mets pas de pyjama. Arrêtez de raconter des conneries. Je t'ai vu en pyjama à la fenêtre, rue du Bac. Comme enfant. Tu n'étais pas tout seul. La dernière personne qui avait pu me voir en pyjama, c'est ma mère. Non, je t'ai vu en pyjama. Ou une sorte de. Non, t'avais un truc de vieux là, ou une sorte de. Pyjama veste. Un peignoir, tu sais les peignoirs en soie, une robe de chambre de PD là, tu sais, genre kimono, un truc qu'il aurait piqué à Orlando quoi. Genre Orlando, tu vois. La mythomanie de cette fille. Le don d'exagération. Le don de transformation. Mais vous lui donnez une histoire, mais elle en fait un roman. C'est son talent en même temps. Je le vois, c'est le petit peignoir en soie avec un dragon brodé dans le dos. Le truc de Yogesner, tu sais avec les motifs. Avec le vapeur. Les motifs. Et le mec qui était à côté au balcon, pareil. Il devait y avoir une promotion c'était sur la Dupont paire. Et Dupont. Il avait acheté les deux. Est-ce qu'il avait les grosses mules en mousse là? Je vais maintenant vous parler, parce qu'il faut revenir à l'actualité culturelle, de Jean-Luc Courcou, qui a commencé il y a 30 ans en faisant la manche avec un chapeau. Mais commencé à faire quoi,
Jean-Luc Courcou. Chanter. Non. C'était dans le métro qui passait dans ton appart ? Non. C'est artistique ? C'est artistique. C'est un clown ? C'est pas un clown. C'est du cirque ? C'est un numéro, non ? C'est pas tout à fait du cirque. C'est du théâtre. Du théâtre de rue. Du mime. Du théâtre de rue. C'est-à-dire ? Bah, il jouait des choses dans la rue avec un décor aménagé par lui-même. Et il a fondé quoi, alors Jean-Luc Courcou ? Le cirque du soleil. Non, pas le cirque du soleil. Un cirque Pinder. Pardon ? Le cirque Pinder. Oh, c'est jeune, ça, le cirque Pinder. Est-ce que c'est cirque quelque chose ? Non, c'est pas le cirque. Il est français, Jean-Luc Courcou ? C'est une compagnie ? C'est une compagnie, c'est une des rares compagnies de théâtre de rue subventionnées. Le Royal de Luxe. Pardon ? Le Royal de Luxe. Royal de Luxe. Bonne réponse, Elsa Fayer. Jamais entendu parler. Oh, mais si, ils avaient fait un énorme éléphant. Tu confonds la voix d'Elsa Fayer et celle de Florian Gazan, visiblement. Il n'a pas confondu, j'ai dit compagnie. On était en tandem. J'allais compléter Florian Gazan et Elsa Fayer. Bonne réponse. C'est pas toute la merde entre nous, Jérémy. La compagnie Royal Deluxe se produit dès aujourd'hui à Nantes avec un nouveau géant. En fait, ils ont pour particularité de fabriquer des sortes de statues géantes qui circulent dans la ville. Il y a eu un éléphant. Et là, ça va vous intéresser. Il y a El Xolo. El Xolo, c'est un conte mexicain. Il mesure 9,50 m, il pèse 25 tonnes, il est manipulé par 25 artistes. C'est incroyable. Et on le voit à Nantes aujourd'hui. C'est une bête. El Xolo, c'est un conte mexicain mis en musique par Michel Augier. Il y a trois nouveaux géants. Alors, il y a Xoloti, le chien des Aztèques qui aide les morts à franchir le passage vers l'au-delà. Il y a la petite géante mexicaine. Et le campesino, c'est-à-dire le paysan. Le paysan. Voilà, le paysan qui, lui, donc, mesure 9,50 m et pèse 25 tonnes. Ils sont 120 personnes dans la compagnie Royal de Luxe. Et ça a démarré les festivités ce matin à Nantes, place Saint-Pierre. C'est bizarre, vous n'avez jamais entendu parler de la compagnie Royal de Luxe. Jamais, première fois. On est à la France, il faut dire, un des rares pays où il y a autant de compagnies de théâtre de rue. Oui, c'est un truc qui se développe et qui, surtout, marche très, très bien. C'est-à-dire que là, je suis sûre qu'à Nantes, ça va être noir de monde. C'est extraordinaire ce qu'ils font, Royal de Luxe. Mais eux, c'est vraiment la compagnie. La plus inventive, la plus créative et celle qui ramène le plus de monde. Ouais, moi j'aime bien les ambiances chars comme ça. Là. J'aime bien les ambiances chars. Ah oui, parce que c'était tracté par des chars. Ah bah non, c'est animé par des hommes, oui. C'est ça. Oui, c'est encore mieux. Ils sont à l'intérieur. Les géants, ils sont pas à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. C'est eux qui font eux-mêmes leurs trucs. Ils fabriquent et tout avec leurs petites mains. C'est une vraie compagnie de théâtre de rue. Tu penses bien qu'ils vont les acheter, une statue de 25 mètres ? Tu vas chez Carrefour. Bonjour madame. Ça rentre pas dans le cadre. J'irai bien moi comme ça que tu vas voir les compagnons du devoir. Tu leur dis bah voilà je veux ça. Les mecs ils viennent t'aider et tout. Tu passes des bons moments. Les compagnons du devoir. Ah mais oui vous connaissez pas. Expliquez-nous. Mais c'est des je suis pas un expert mais il me semble que c'est des écoles où tu formes les artisans à tailler de la pierre, à devenir ébéniste, etc. C'est qu'un savoir-faire assez prestigieux. Ah, tu c'est une école. Voilà c'est ça les compagnons du devoir. Avant il était Stéphane Bern, il est en train de devenir Jean-Pierre Pernaut. C'est chouette quand même. Je vous emmène dans le petit village de Lazarevo. On a tous vu ça aux actualités hier. Qu'a-t-on vu dans ce village de Lazarevo ? Lazarevo, c'est où ? En Italie ? En Italie, c'est ? Ah non, ce n'est pas en Italie. Encore ? Lazarevo. Ah, ce n'est pas en Espagne. Au Portugal ? Ce n'est pas au Portugal. Ah, c'est en Irlande ? Non plus. Lazarevo. Pas très irlandais Lazarevo. Quand même. En Corse ? C'est là où est arrêté Malik Madik. C'est ça, c'est un robot. Non, le boucher des Balkans. Le boucher, boucher des Balkans. Bonne réponse de Stevie. Ouais, alors, c'est pas Radek. Radek Mladic. C'est vrai qu'on a du mal à le dire. J'ai dansé toute seule. Là, comment ça, raconter ? Ah ouais, quand j'ai vu tomber cette nouvelle, j'étais vraiment. Alors là, c'était le plus beau jour de ma vie, je crois, depuis longtemps. Ah bah oui, dis donc. C'était vraiment un fumier, mais le pire salopard. Moi, j'ai déjà vu tomber le boucher du balcon, mais c'est parce qu'il s'est suicidé. Moi, en je l'ai face vu. De chez moi, après la fermeture de sa boutique. Non, il faut savoir que le massacre. Attends, là, on se marre, mais. Quoi, oui, on se marre. Non, c'est pas rigolo, c'est un peu le but de l'émission en même temps. Pas sur ça. Mais il a réussi à se planquer pendant des années, quand même. Pas parce que les Serbes. Enfin, il faut voir qu'il a été très protégé par ces nationalistes serbes qui détestent les musulmans et les catholiques aussi, hein, puisque ce sont des orthodoxes. Ces types, absolument, ce sont des assassins. Il faut se souvenir que ce massacre a été orchestré exactement, vous savez, le tableau de Goya, le 13 des maillots, là. Et ça s'est passé comme ça. Les mecs, ils étaient un par un, les mains dans le dos, et on les tuait.
Chantal. On les tuait à la mitraillette, les uns ouais. au-dessus des autres. Ils voyaient venir leur mort. 8000 personnes dans une journée. Bon, alors, si vous n'aimez pas celui-là, quel boucher vous conseillez alors? Elle aime bien la boucherie Limousine. C'est une horreur. En tout cas, c'était une excellente réponse de Stevie, le petit village de Lazarevo. Eh bien, le village où on a arrêté hier en Serbie, le fameux boucher des Balkans, le général Ratko Mladić. Bonne réponse, bravo. Cet appartement de 42 pièces à New York est le plus grand appartement de Manhattan. Pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui ? Donc c'est pas celui de Strauss-Kahn. Non, voilà. C'est pas celui de Strauss-Kahn. Mais on en parle pièces. Aujourd'hui. Et, oui. Et d'ailleurs, Carré. Autant vous dire, il est libre, ça peut intéresser les Strauss-Kahn. C'est le plus grand appartement de New York, 42 pièces. C'était 42 un acteur pièces. Ou une actrice qui vivait là ? Non, c'était pas un acteur ou une actrice. C'était Madoff. Non, alors je vais pas vous demander parce que je pense que ce serait trop compliqué. Si vous n'avez pas lu François aujourd'hui, vous ne saurez pas répondre. Ah. Donc peut-être vous pouvez deviner. Je vais pas vous demander le nom de la personne qui vivait dans cet appartement parce que je suis pas sûr que vous le connaissiez. Mais au moins, qui c'était ? Un milliardaire ? Alors pas un milliardaire, mais. Donald Trump, un truc comme ça ? Pas un milliardaire. Mais une milliardaire. Vivienne Bettencourt ? Non, pas même Bettencourt. François-Marie Bagné ? Pas François-Marie Bagné. Est-ce qu'elle est morte ? C'est la fortune de son mari. Oui, elle est morte. C'est pour ça que l'appartement se libère. Alors la particularité, c'est qu'elle est morte à l'intérieur. Quoi, elle est morte à l'intérieur. Elle aurait pu mourir dans la rue. Elle est morte, non, elle est morte de froid. Non, ce qui est drôle, c'est qu'elle a laissé un morceau dans chaque pièce. Ah, c'est pas mal ça. Sorte de puzzle. Elle est morte de intestat. Non. Sans enfant. Non. Elle est morte de froid. Elle est morte sans enfant. Non, il y aura des. Il y aura des héritiers. Ça va se bousculer pour l'héritage quand même, parce que l'héritage est quand même estimé à 3,6 milliards de dollars. Ah oui, là, ça va remuer. Donc elle est américaine. On parle plus de millions là, hein. On parle de milliards. Je suis déprimé. 3,6 milliards de dollars. Même si le dollar a baissé, ça fait encore un peu de sous quand même. Cette femme n'avait pas été prise en photo. On ne l'avait jamais revue depuis 1930. Ah. Elle n'était pas sortie de son appartement. Donc c'est une actrice. Ah, comme toi, Christine. Greta Garbo. Zsa Gabor. Non, c'est pas Zsa Gabor. Ah ben non, elle n'est pas morte. Je suis sûr que vous ne connaissez pas son nom. C'est une égérie ou pas ? On s'en fout. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Je sais pas. Parce que attends, j'avais envie de vous en parler. Est-ce qu'on l'a déjà vue? Bah, j'ai sa photo là. Elle s'appelle, je vais vous donner son nom, elle s'appelle Huguette Clark. Elle a inventé les Clarks? D'abord, elle est morte. Elle est morte. Oui, ça, elle est morte. Ouais. Mais quand même, que je vous dise. De son décès. Oui, elle est morte de son décès. Mais elle est morte à 100 ans. À l'âge de 104 ans. Elle vient de mourir à l'âge de 104 ans. Bonne réponse à une question qui n'existait pas. Bravo. Non mais c'est marrant comme histoire. Ouais, c'est déprimant. Hein, elle n'était jamais sortie dans la rue depuis 1930. Ça concerne. Mais ouais, voilà. En fait l'héritière de son papa qui était un sénateur américain très mal aimé. Non, l'histoire est intéressante. C'est Charles Desjardins qui raconte ça dans François aujourd'hui. Et cette femme Huguette Clark qui n'a pas eu d'enfant. Tiens, je vous confirme, elle n'a pas eu d'enfant. Il y aura quand même des héritiers, mais elle n'a pas eu d'enfant. Il y a des neveux, des machins, des trucs. Elle a en tout cas. Elle est née à Paris en plus. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, Huguette. Dis donc, elle serait pas de ma famille, regarde. On va se trouver un lien de parenté. Elle est née à Paris en 1906, ouais. Huguette Clark. Donc, vous voyez, elle avait 104 ans, ça se confirme. Elle doit cette fortune à son père, qui était le roi du cuivre à la fin du 19e siècle. Ça me dit quelque chose. William Andrews Clark. Ouais. Et elle, donc, c'est son héritière, Huguette Clark, qui a vécu jusqu'à 104 ans dans cet appartement. Moi, c'est ça qui m'épate. Un appartement de 42 pièces. Bon, dis-moi où il est situé, parce que à New York, vas-y. Donne-moi la rue. Il doit être bien situé. Oh, il doit être vers Central Park. Donne-moi la rue. Non, mais ce qui est fou, c'est que 42 pièces, ça fait un immeuble, ça fait pas un appart. Non, attends, mais s'il est dans le Bronx. Je vois pas où c'est. Là, c'est pas mappy.fr, Laurent, non plus, Christine. Au cœur de Manhattan. Elle avait trois résidences en plus. Donc, cet appartement à New York, une maison dans le Connecticut et une superbe demeure à Santa Barbara. Mmh. Et le gardien de la maison à Santa Barbara dit qu'elle n'y a jamais mis les pieds. Jamais vu. Elle n'a jamais trouvé la sortie à New York. Pour 40 ans, elle cherchait la porte. C'est pour ça, elle est bloquée à l'intérieur. Mais c'est une ville, hein, 42 pièces. C'est quand même chouette comme histoire. Mais qu'est-ce qu'on cherche en fait, Laurent? Parce rien du tout. On cherchait rien, on s'amusait. Vous n'avez pas envie d'apprendre des choses? Ah, si. C'est quand même intéressant. Ah, ouais. Une fortune, hein, quand même, ça, quelques milliards. Il n'y a pas que Rockefeller comme milliardaire. Et on ne sait pas qui va hériter, donc si elle n'a pas eu d'enfant. Non, ça on ne sait pas. Ça va si elle a des neveux et nièces. Ça va se batailler entre les différents héritiers et son avocat qui était soupçonné de la manipuler, son avocat. Bon, à 104 ans,
tu es un peu obligé pour, au moins pour la toilette. Ouais, c'est ça. Mais il y avait des gens avec elle qui s'occupaient d'elle. Non, avait... elle était toute seule. Ah oui, c'est au bord de Central Park. Ça, oui. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, c'est au bord de Central Park. Ah ouais, c'est sans le Upper East Side, tu vois, par là-bas. Très bien, très bien. Vous connaissez, vous? Ouais. J'avais rencontré Spider-Man en haut de ce toit là. Et moi on me traite de mytho. Un jour, elle a raison Isabelle Motreau. Un jour on annoncera, vous verrez ça. Dans je sais pas 50 ans, 60 ans, on annoncera votre disparition comme ça le dans François. Le successeur de Laurent. Christine Bravo. Dans un studio à Belleville. Arrête, quelle horreur. Vous n'étiez pas sortie de chez elle depuis 40 ans, vous rendez compte un peu, ça va être terrible ça. Comme ça, mais, qu'on terminera tout. Mais je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Tu vas finir momifié. Ne pas sortir du tout de chez soi. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus réjouissant au monde? Ah bon? Je sais pas, voir des gens sortir, faire des trucs. Quoi. Mais non, ça me dégoûte. Ah oui, d'accord. Ah. Je suis pas choquée par cette retraite en fait volontaire. Elle a peut-être une raison, comme disait Philippe Geluck, quand t'es milliardaire, faut jamais sortir de chez toi. Tu pourrais croiser un millionnaire qui veut t'attaquer. Tu fais la quête. On ne connaît pas Grégoire Burquier et pourtant VSD lui consacre 2 pages cette semaine. Pour quelle raison? Burki? Grégoire Burquier, comme Ruquier, mais c'est Burquier. Voilà. Ouais. Il est très sympa comme mec. Vous connaissez Grégoire non, Burquier? Je sais pas. Je me dis que si François s'y intéresse, il doit être. Pas François, VSD. Ah, VSD. 2 pages dans l'hebdomadaire VSD cette semaine concernant Grégoire Burquier. Il a du talent. Est-ce que c'est du. Il a un certain talent, Grégoire Burquier. C'est du sport? C'est du sport. Bon, c'est Roland Garros? C'est Roland Garros. Eh ben. C'est un joueur de tennis? C'est un joueur de tennis. Et ben voilà, bonne réponse, Isabelle. Mais on le connaît pas bien. Je le connais pas. Pas bien. Ah, si, je sais. Il a battu. C'est pas quelqu'un. Le mec qui a battu Federer? Non, il n'a pas battu Federer. Non, c'est pas parce que du... moi, après, là, justement, je, pour quelle raison on en parle? C'est ça qui est intéressant. Il a mis en péril Nadal ou... Du tout. Non, il est joueur. Il est joueur. Il a une particularité physique? Non, non, il non. Est français? Il est français. Il est français. Ouais, ouais. Il a déjà joué? Il a déjà il joué. Il est très, très jeune. Mais il a joué cette semaine, là? Il a joué. Il a perdu contre un Brésilien au premier tour. Il est très jeune. Il est je sais pas. C'est un junior? C'est pas ça, sa particularité. Non, c'est pas sa particularité. Ah, il sort avec quelqu'un de célèbre? Non, non plus. Ah, il s'habille d'une façon extravagante. Ah, la concierge. C'est du tennis en c'est du tennis en e-sport? Non, non plus. Ah, bah parce que pour le moment, il n'a aucun intérêt. Donc. Ça existe, le tennis en e-sport? Oui, en chaise roulante. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Jamais vu. Mais c'est parce que c'est la façon dont il a joué son match qui fait qu'on parle de lui? Non, non, il a joué normalement son match. Bon, il a perdu contre un Brésilien, il a perdu, mais il a joué normalement. Il est très beau? Oh, ce qu'il est très beau. Bah, 2 pages dans VSD parce que t'es très beau, faut être très très beau. Ah, bah, hein. Peut-être qu'il a un super sponsor. C'est le fils de quelqu'un? Non, Grégoire Burquier. Oui, de monsieur M. Burquier. Il a une origine particulière? Il a une origine particulière? Non, 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 non. 2 pages. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi VSD lui consacre 2 pages. Il a joué très longtemps. Comment ça, il a joué très longtemps? Parce que parfois, il y a des matchs qui n'en finissent plus. Ah, une sorte de record de durée de match. Ouais. Pas non. Du tout. Il a commencé très tôt. Non. Il a les dents du bonheur, comme Yannick Noah. Non. Est-ce que c'est pas. On lui consacre 2 pages pour ce qu'il va faire après? Non, non plus. En tapant dans la balle. Non. Allez-y. Ah, ça, je sens que ça va être intéressant. Ouais, ça va être bien. Je sens qu'on tient un truc là. Vas-y, Steve. Qu'est-ce qu'il a fait en déroule, déroule. En tapant très fort dans la balle, oui. Ah, il a pris la balle et après il l'a caressé. Il s'est relâché, il s'est fait pipi dessus. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est vrai que moi, 2 pages dans moi VSD je fais 2 pages. Hein, si y a ça, je fais 2 pages dans VSD direct. Ben non, ben ça arrive de se relâcher comme ça. Tu... Oui. C'est comme les gens qui portent un truc lourd et. Oui, peut-être chez les vétérans, tu vois. Il a battu un record quelconque. Mais de quoi il parle? Il a trop fréquenté les vieilles dames. Il a trop fréquenté les vieilles dames. T'as pensé à consulter un urologue ou un psy? Ça a dû t'arriver. Non. Est-ce qu'il a battu un record, Laurent? Non, du tout. Non. Est-ce qu'il joue avec une vieille raquette? Non plus. Genre le coq sportif? Ben alors. Ah! Ah bah non. Est-ce qu'il a changé de sexe? Non plus. Non plus. Non. Ah, il a pas de particularité. Ah non, mais il a un entraîneur qu'on connaît. Pardon. Un entraîneur célèbre. Non, non, non. On non. parle de lui à cause de quand même quelqu'un de son entourage. Non plus. Mais il va jouer là, Roland Garros, quand même. Je vous ai dit qu'il avait joué. Alors, être sûr. Il a été éliminé au premier tour par un Brésilien. Alors, est-ce qu'il a gagné Wimbledon ou non. Pas Wimbledon, on mais parle de... il a gagné contre quelqu'un de non, très. Non, non. Est-ce qu'on parle de quelque chose qu'il fait en dehors du tennis? Non. Il aboie. Il joue avec une raquette sans corde? Non, non, non. C'est le premier à avoir joué à Roland Garros? Non, non. C'est le premier à faire quelque chose? Non, non, non. Il est ramasseur de balles aussi? C'est pour ça que c'est intéressant que je trouve que VSD nous en parle sur. Franchement, mais vous, ça vous a intéressé vraiment? Oui, j'ai trouvé ça original de la et part nous, de VSD. On va trouver ça intéressant. Oui, aussi, je pense. Puis en tout cas, c'était une bonne question, manifestement. Est-ce que ça a un rapport avec son passé? Est-ce qu'il a fait quelque chose par le passé petit qui vous a interpellé? Pas du tout. Est-ce qu'il a une autre activité en parallèle? Non. Non.
Non. Donc c'est un mec, il joue un match sans histoire, il lui est rien arrivé, il vient de nulle part, il va rien faire d'intéressant, tous les gens qui l'entourent sont sans intérêt et non alors, plus. Justement. Deux pages dans VSD. Et alors, et alors. C'est quoi, c'est bah voilà, on parle du mystérieux. Ouais, non, il est invisible. Non. Genre non. N'importe qui peut faire ça. Non. C'est l'héritier de Roland Garros. Non, c'est le mec le plus ordinaire. C'est un mec lambda, quoi. C'est-à-dire c'est le tennisman moyen. Exactement. Voilà. Oh. C'est un papier sur les tennismen qu'on ne connaît pas et qui sont quand même tennismen professionnels et qui passent totalement inaperçus dans tous les tournois. Voilà. Et il en fait partie. Deux pages sur Grégoire Burquier. C'est sympa. Hein. Un joueur ordinaire qui est reparti content parce qu'il a perdu au premier tour, mais il a gagné 2500 euros. Et il est classé combien, lui? Il est classé 228e mondial. Ah oui, c'est sûr. Et ce sont, en fait, c'est un papier, je trouve que c'est un bon angle parce que c'est pas si c'est souvent que ça arrive. Ouais. Un papier sur les anonymes des tournois de tennis. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Vous avez bien résumé l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Moi, j'ai dit, moi, je joue pas pour ce prix-là. 2500 euros, je veux pas y aller. Il y a plein de gens qui aimeraient bien jouer pour ce prix-là. Mais je plaisante. Non, tu plaisantes pas. Mais si, mais c'est vachement fatigant. Ah oui, c'est pour ça. Ah, mais je jouerai gratuitement à Roland Garros, c'est extraordinaire. Attends. Ah, ben il a perdu contre un Brésilien 6-7-6-7 après 2 heures de bataille. Mais il a gardé le sourire parce qu'il s'est dit, bah voilà, quand même 2500 euros, c'est toujours ça. Et il fait tous les tournois comme ça. Et... Oui, et puis il a des sponsors qui doivent le payer. Tu te connais, toi, en tennis, Laurent, non? Pas tant que ça, pourquoi? Parce que là, 6-7-6-7, il y a un problème. Il manque un 7, il y a un truc qui va pas dans ton score. Il manque un 7. Mais non, mais je pense pas. Je pense un 7 SET. C'est en 2-7. Alors c'était les qualifications. Et bah oui. Et bah... En qualification, il a pas joué le tournoi final. Ah bah oui, puisqu'il démarre. Non, mais Grégoire Burquier, c'est pas Nadal. Non, mais ça arrive. Tu peux. T'as des joueurs qui sont 200 et 300e qui sortent des qualifs et qui sont dans le tableau final qui jouent. Alors lui, il a fait les qualifications la semaine d'avant. Par exemple, voilà, il va faire le tournoi de Poitiers. Là, il prend 300 euros. Ouais, c'est quand même intéressant de voir la vie d'un tennisman lambda. Non, ça vous intéresse pas, vous? Si, mais il doit avoir un autre travail à côté. Et non, bah, pas du tout. Ah, tu vis bien avec ça. Non, mais tu joues au tennis. Ce qui est dingue, là, à la fin du papier, c'est qu'ils expliquent qu'en fait, vous avez raison, il faut quand même être sponsorisé pour réussir. Bah, oui. Et il est sponsorisé par une milliardaire qui vit à Manhattan, qui vient de mourir. Ça serait pas mal. À l'âge de 104 ans. Mais non, enfin. Mais écoute, il vit très bien, il court le cacheton, quoi, comme moi. Je veux dire, truc. Mais non, mais c'est vrai. Il se fatigue plus. Il se fatigue plus, mais dis donc, il est plus jeune aussi. Moi aussi, j'ai couru. Mais lui, il arrêtera plus avant toi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement la vie de plein de sportifs, mais dans toutes les disciplines. Et voilà pourquoi je trouvais que c'était un bon angle de la part de VSD, plutôt que de nous parler toujours des mêmes joueurs, sur deux pages, de nous parler d'un joueur anonyme qui participe à Roland-Garros et qui repart heureux avec son chèque de 2500 euros après avoir été battu aux qualifications 6-7-6-7, monsieur Gazan. Nous nous retrouvons après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h avec Elsa Fayer, Isabelle Motreau, Christine Bravo, Stevie Boulet, Florian Gazan et Jérémy Michalak. Bonsoir Sophie, bonsoir Benoît. Vous serez les deux derniers candidats de la semaine au challenge. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour plutôt, oui. Je n'ai pas entendu Sophie au Poulingain. Bonjour. Ah, bah vous étiez où, Sophie? Je suis au Poulingain. Ah bah, on est rassurés. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Ah, là, 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 ok, là. Faites quoi dans la vie, Sophie? Je suis au Poulingain. Technicien chez Orange. Vous êtes technicienne et ça va bien? Ça va très bien. J'espère que vous habitez au rez-de-chaussée, hein, prenez pas de risques. Non, pas de soucis. Bon, vous devez avoir du boulot, hein, des clients qui appellent et tout, ça doit être l'enfer, non? C'est l'enfer. L'enfer. Sophie, vous nous écoutez depuis longtemps? Oula, oui. Oula, oula. Ça veut dire quoi, ça, oula? Depuis au moins une heure. Combien? 5 ans. 5 ans, hein. C'est oula, alors c'est pas oula, c'est oula. Sophie, vous allez affronter Benoît qui est à Paris. Oui, bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Salut Benoît. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous avez un métier, vous? Oui, je travaille dans la formation. Très bien. Vous nous écoutez depuis quand? Oh, depuis qu'il est sur Europe 1, hein, monsieur Ruquier. Oula. Depuis combien d'années? Ah ben, je sais pas, ça doit faire une dizaine d'années qu'il est sur Vous avez Europe. Connu des morts, donc, dans l'équipe. Oui, oui. Oula. Oula. 11 ans qu'on est là sur Europe 1, Benoît, et que vous nous écoutez, tant mieux, ça fait plaisir. Il y a des petites
remarques, des petits changements que je dois faire pour la saison prochaine. Profitez, c'est le moment. Moi, j'aime beaucoup Florian Gazan. Je trouve qu'il est très très drôle. Ah, merci, bon. J'aime beaucoup Jérémy Michalak aussi. Très drôle aussi. Parfait. Arrête. Bah, vous pourrez les voir mardi soir dans On a tout révisé. Florian Gazan et Jérémy Michalak. Il n'y aura pas que. Hein. Avec des costumes. Ouais, pour aller voir passer pour deux gros cons. Bien comme il faut, quoi. Ne loupez pas ça sur France 2, 20h35, mardi prochain. Ne loupez pas. Oui, Benoît. J'ai deux petits messages, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je voudrais souhaiter une bonne fête à ma maman avec un peu d'avance, mais c'est l'occasion. Vous voulez qu'on l'appelle? Non. Bon, ça pourrait être drôle. Et je voulais aussi dire à ma femme, Amanda, que je l'aime. Voilà. Vous voulez qu'on l'appelle? Non, ne l'appelez pas, s'il vous plaît. Sophie, vous, rien à faire passer? À ma maman. Aussi. Voilà. Très okay. bien. Ok, d'accord. Super. Ça fait un peu truc funéraire, ça. C'est, À ma mère. Sophie Benoît, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir au Martinez. Ah, vous êtes les chanceux de la semaine. La de nuit à Cannes, à l'hôtel Martinez. Évidemment, le célèbre palace de la Croisette avec son restaurant, le relais, la cuisine du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est. On lui a remonté le moral. Depuis tout à l'heure. Un peu trop. On l'a regonflé, dites donc. On s'y est mis à plusieurs, mais on l'a regonflé. Il a fallu souffler dedans. Dans une petite vulve. Une valve. Attends, il faut que je t'explique. Il y a des femmes et il y a des gens qui ne veulent pas de valve. Laisse tomber, Christine. Bah si, c'est un ballon. On est trop loin. C'est une valve. Ah, c'est une valve. Une valve. Le plus étonnant, c'est qu'ils connaissent le mot vulve. Ouais. Alors, Stevie, je t'en supplie. Elle est partie, regarde. Et elle a démarré. Je crois qu'on en a pour un moment. Sophie là. Benoît, je suis désolé, tout ça. Avec plaisir. Je vous en prie. Quand vous voulez. Voici donc la question qui va peut-être vous emmener au Martinez. Pas si facile la question. Pourquoi Neymeyer? Pardon? Oscar. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Oscar Neymeyer. Oscar Neymeyer. Ah, bien joué. Ah, bien joué, mais c'est pas ça, non. C'est quoi la question? Là-bas, je l'ai pas posé encore. Mais pourquoi il commence à répondre l'autre? Et pourquoi l'autre il ricane comme un con? Tiens, attends, mais toi, vous avez fait tourner un pétard ou quoi? En tout cas, il est pas passé par nous. Hein. Il est resté bloqué sur Stevie. Si Stevie, de temps en temps, il démarre. Il se fait tourner à lui-même. Mais gauche, moi, j'en veux du sac et bon. Du sac et bon. Ah, je suis sorti deux minutes. Ils en ont profité, les sagouins. Mais pas du tout. Ils sont drogués. Vraiment, on se drogue pas dans cette émission d'abord. Déjà. Et on conseille à personne de le faire. Non, c'est de la merde. La question donc, écoutez bien, Sophie Benoît, vous êtes prêts? Oui. Pour quelle raison parle-t-on depuis le week-end dernier énormément dans la presse du réalisateur d'Hôtel du Nord? Pour quelle raison parle-t-on dans l'actualité depuis le week-end dernier du réalisateur d'Hôtel du Nord? Ça a à voir avec les hôtels? Non mais du Nord, c'est pas du tout. C'est Marcel Carnet. Oui, mais alors pourquoi on en parle? Bah, chaque chose en son temps. Hein. Dites donc, causez-nous meilleur. Attention, Christine, à la réponse. Ah ouais, je l'ai. Vous avez un bon indice hein, quand vous avez attention, dit Marcel Carnet. Faut y aller. L'hôtel du Nord. Elle est restée bloquée à l'hôtel du Nord. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Allez-y, Christine. Christine, allez-y. Je pense que c'est à cause du petit Marcel, le fils de. Bah oui, bah deux. Ah, de Monsieur Sarkozy. De Guillaume Canet. Le fils de Guillaume Canet. Guillaume Canet a appelé son fils Marcel. Marcel Canet. On parle évidemment à l'occasion de cette naissance énormément du réalisateur d'Hôtel du Nord parce qu'on se dit qu'il l'a fait évidemment un peu exprès. Bonne réponse de Christine, bravo. Je suis désolée, mais là, ils étaient loin. Hein. J'y avais pas pensé. Moi, je pensais que c'était juste par rapport à Edith Piaf. Je me dis, quand elle va accoucher, Marcel C'est horrible. Alors, il y a les deux. Ah, on dit que Marion Cotillard et Guillaume Canet ont effectivement appelé leur Gaston. Leur fiston. Tu vois, ça, c'est le patron. Ça. Moi, je veux pas dire. Leur fiston Marcel, parce qu'effectivement, c'est Marcel Cerdan et la môme Piaf qui a été jouée et incarnée par Marion Cotillard. Mais aussi, c'est vrai que Marcel Canet, quand même, ça fait très. C'est un peu idiot. Pour un couple.
cinéma, c'est un peu nul, non? Ah bon? Bon, écoute, ça va faire tout le monde va se fiche de lui. Bah non, mais à l'école, personne connaîtra Marcel Carnet quand il ira à l'école, le gars. Oui, mais déjà, le peu de gens, le peu de gens qui connaîtront, ça fait. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça un petit peu. Ah oui. Et puis le seul Marcel connu, c'est le beau-frère de Bénichou, en vrai. Stevie le Marcel est à la mode. Je sais pas, moi, Stevie l'a fait débardeur. Je préfère les vieux prénoms genre Louis, Arthur. Ah, Marcel, c'est pas jeune non plus. Ou Léon. Ah non, Marcel. Léon. Ouais, Léon, c'est mignon. Léon. C'est le fils de Jamel, il s'appelle Léon. Ah oui. Je suis désolé, Sophie et Benoît. C'était dur. C'était dur. Oui, c'était dur. Ah ouais, c'était dur, mais quand même, c'est une bonne nouvelle. On aime bien les naissances, quand même. C'est vrai, c'est. Moi, j'aime bien dire. Ouais, mais il préfère un cadeau, je crois. Je sais bien, un autre couple là hein, qui s'est marié. Yvan Colonna. Quoi? Yvan Colonna. Mais l'autre, il va avoir un bébé. Il a sorti une liste de noms. Ouais, c'est ça. C'est dommage parce que vous n'avez pas les bonnes questions. Il est sur naissance.fr. Vous êtes au taquet, là, je dois dire, quand même, Benoît. Ça... Ah oui. Ah ouais, mais Sophie, je suis désolé. C'est pas grave. C'est pas grave, on reste bons amis. Puis j'ai quand même un petit cadeau de consolation pour vous deux, puisque c'est la fête des mamans, effectivement, dimanche. Clarins vous offre un pack à l'occasion de la fête des mères, le pack Clarins, 170 euros de valeur quand même. Oh, une eau dynamisante qui sent divinement bon. Quoi? Oui, c'est vrai qu'elle sent bon. Ah oui, elle sent bon. Remarquez, il manquerait plus qu'ils nous vendent des trucs qui puent. Mais, une huile orchidée bleue pour faire la peau toute douce et bien hydratée. Mmh. Une huile tonique pour un corps ferme et toujours jeune. Oh oui. Et comme je sens que vous êtes au taquet, Sophie et Benoît, dans ces cas-là, on dit merci qui? Merci. Merci Clarins. Ouais. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Parfait. Oui et non sont effectivement les deux seuls mots auxquels vous êtes autorisé pour répondre à mes camarades. Ça, c'est une fille. Vous êtes une fille. Oui. Ah ouais, ça se sentait, il y a la pêche là. Est-ce que comme Laurent Ruquier, vous dormez avec des pyjamas ridicules? Enfin, c'est pas vrai en plus. Non. D'accord. Pas de pyjama pour vous madame. Vous êtes féminine? Peut-être. Est-ce que vous êtes féministe? Non. Non. Vous êtes mariée? Oui. Soumise? Soumise. Est-ce que vous êtes soumise, demande Stevie? Non. Non. Est-ce que vous aimez faire la cuisine? Peut-être. Bah peut-être. Mais pourquoi, ça veut dire quoi peut-être? Bah peut-être c'est ni oui ni non, voilà. De temps en temps. Non. Ah bon? Elle a changé d'avis entre temps. Est-ce que vous êtes un peu casse-couille? Oui. 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 Laurent a dit oui. Non, donc... c'est elle qui dit oui. Ah, ah bon? Vous êtes une actrice? Non. Chanteuse? Actrice, vous n'avez jamais joué la comédie? Si. Dans une petite publicité peut-être? Oui. Ah bon? Oui, donc comment... c'est pas votre métier principal quand même? Stevie a déjà une idée. Vous avez reconnu la voix de l'invité, en fait. Non, pas forcément, mais... Bah, gardez pour vous, hein, pour l'instant. Ne dites rien, alors. Il ne dit pas qu'il a trouvé. D'autres questions. Alors, vous portez des lunettes? Non. Est-ce que vous êtes blonde? Peut-être. Non, alors là... Non, mais parce que moi, je l'ai connu, cet invité. Ouais. Parfois blonde et parfois brune. Ah, là, aujourd'hui, vous êtes blonde? Blonde. Bof. Bof, ok. Châtain, vous êtes châtain. Méché. Oui. Ah, méché. Je l'ai. Est-ce que vous êtes un télo? Non. Vous êtes comique? Oui. C'est votre métier? Bof. Bof. Ah, vous êtes comique dans la vie avec vos copains? Oui. Ouais, voilà. Ça nous aide pas, ça. Stevie, allez-y. Est-ce que vous avez vous êtes à cheval sur les principes, sur le protocole, sur les bonnes manières? Peut-être. Est-ce que vous allez faire la fête des voisins ce soir? Quelle horreur. Non. Stevie, vous pensiez à Nadine de Rothschild. Êtes-vous Nadine de Rothschild? Sauf qu'elle ne dormait pas. Ça doit pas être ça parce que. Non, hein, vous n'êtes pas Nadine de Rothschild. Non. Est-ce que vous allez regarder la finale de la Ligue des Champions demain soir? Non. Vous détestez le sport? Non. Vous aimez le sport? Vous en faites? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Deux? Deux. Un garçon, une fille? Oui. Ah, ça, c'est pas vous... Est-ce que. Oui, j'ai une idée alors. Ah, ouf. Je pense que tu peux y aller là. Donne le prénom à mon avis. Donc, le sport. Est-ce que vous avez un prénom qui est pas commun du tout? Oui. Voilà. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Oui. Je suis déjà allé chez vous. Elle est pas au courant. Marquez-moi le nom sur un bout de papier, Christine, que je vérifie si vous avez sans montrer à vos camarades. Vous n'avez jamais allé à un match de rugby? Non. Ah merde. Montrez-moi le papier. Christine, dès qu'elle a l'idée, elle se plante toujours. Pendant ce temps, je vous donne un petit indice musical. Je ne sais pas si vous avez compris cet indice. Vous-même, invité? Non.
Non, je vous l'expliquerai alors tout à l'heure. Ce qui m'amuse en tout cas, c'est que Stevie, dans un premier temps, a pensé que vous étiez Nadine de Rothschild. Et là, on passe maintenant avec Christine Bravo qui pense que vous êtes Hermine de Clermont-Tonnerre. Non plus, hein. Donc vous êtes une femme classique au niveau apparence. Populaire, quoi. Non, mais pas de fantaisie dans le physique. Vous êtes classique. Mais non, c'est une folle, ça se sent. Alors vous êtes, enfin, vous êtes. C'est un compliment. Qui en parle. C'est un compliment. C'est peut-être même Christine Lagarde qui est dans la loge. Hein. Oui, oh bah ça m'étonnerait, tiens. Est-ce que justement vous avez, est-ce que vous faites beaucoup de choses avec vos cheveux? Vous avez tendance à changer de coiffure souvent? Non. Est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique? Vas-y, elle va te répondre. La publicité pour une crème genre L'Oréal ou. Non. Est-ce que vous avez un look particulier que vous gardez tout le temps? Oui. Ah bon? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Oui. Mmh. Vous êtes une femme politique, c'est votre métier? Non. Un petit indice supplémentaire? Ouais. Vous serez d'accord pour dire, invité, que cet indice se précise un peu plus vous concernant, même si ça n'est toujours pas très facile, vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. Mais là, vous l'avez compris, celui-là. Oui. Et voilà. On avance. Et moi, j'ai compris aussi. Ah oui, alors allez-y, dites le nom. Cécile de France. Vous êtes Cécile de France? Non. Ah bah voilà. On se retrouve après la pub. D'autres questions? Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bah, vous n'avez pas posé beaucoup de questions qui vous ont fait avancer à notre invité. Il faut peut-être maintenant quand même préciser qu'est-ce que peut faire notre invité, qui elle est, en tout cas son activité, parce que là, vous en êtes juste dans la catégorie coiffure. Est-ce que vous surfez sur Internet? Oui. Est-ce que vous avez chanté? Oui. Vous avez chanté ou vous chantez? Vous chantez toujours? Oui. Vous avez déjà enregistré des disques? Non. Vous avez fait l'ouverture? Oh, peut-être un ou deux quand même, non? Un petit. Vous avez vu naître le Moulin Rouge et le Lido, par exemple? Non. À qui vous pensiez? Lynn Renaud. Elle a enregistré. C'était son jour. Vous avez vu naître le Moulin Rouge et le Lido. Est-ce que dans l'indice précédent, c'était Guy Béard qui était important? Non. Est-ce que vous êtes française? Oui. Bon, mais chanter, vous n'en vivez pas puisque vous n'avez pas fait votre disque. Oui. Donc vous vivez d'autre chose. Oui. Est-ce que vous écrivez? Voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Eh ben oui. De quoi elle vit. Est-ce que vous écrivez? Oui. Voilà, et vous êtes écrivain? Oui. Voilà. C'est votre activité principale? Oui. Romancière? Non. On va dire qu'elle est auteur. Vous n'avez pas publié beaucoup de livres non plus, quelques-uns. Mais écrivain, parce que je ne suis pas sûr qu'ils vous considèrent, mes camarades, comme écrivain. On va dire auteur. Vous êtes d'accord? Alors, par exemple, dans la chanson qu'on vient d'entendre, c'est vous l'auteur. Si vous êtes l'auteur de la chanson. Non. Je vais vous aider. Voici un troisième indice. Ça, c'est pas mal comme indice. C'est la petite chante, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Vous avez fait une pub pour la Piquichante, vous avez mangé des petits bonbons? Non. Vous avez Elle ne suce pas des bonbons lavogènes, non? Est-ce que dans votre nom, il y a une référence à un oiseau? Oui. Alors, rouge-gorge. On va faire le tour. Quoi, merle? Vous êtes colibri. Edith Merle. Vous êtes une botte aigle. Edith Piaf. Non, mais alors là, on va pas faire tous les oiseaux. Enfin, ça y est, je sais qui c'est. Allez-y. Mais je suis sûre de savoir. Ah bah oui, alors allez-y. Vous avez deux garçons? Non, un garçon. Non, elle a dit garçon fille. Autrement, vous pensiez à qui? Allez-y, dites-le. Flavie Flamand. Vous êtes Flavie Flamand? Non. Ah, c'était pas bête. Oui, elle a écrit un livre. C'est pas mal, Flamand. Faut dire qu'on a bien reconnu le bruit du Flamand, là. On l'imaginait sur une image. Parce qu'il est dans l'arbre, le Flamand, et que. Tu veux savoir si c'est un oiseau, imbécile? Il y a des oiseaux marins. Ils sont pas dans les arbres. Ils sont au-dessus de la mer. Enfin, il faut pas ce bruit-là, quand même. Mais qu'est-ce t'en sais? Moi, je sais, je t'inviterai en Camargue. Bon, est-ce que quand vous êtes venu, tout le monde vous a reconnu dans la rue, invité? Oui. Donc, est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Moyen. Je vais aller avec l'artillerie plus lourde pour l'indice suivant. Ça, c'est du gros indice, invité, vous êtes d'accord? C'est vous qui chantez? Est-ce que c'est vous qui chantez? Non. Est-ce que vous présentez des émissions de radio? Non.
Non, à qui vous pensiez ? À Colombe Schneck. Est-ce que... Alors attention, sur le nom d'oiseau, c'est son vrai nom qui est un nom d'oiseau, mais pas le nom sous lequel vous la connaissez. Ah, donc c'est pas Carole Merle. Donc c'est pas Sandrine Colibri non plus. Non plus. D'accord. Donc attends, je reviens à l'indice là. Bardot. C'est, ouais, Bardot, Bardot, Bardot. Vous avez incarné Brigitte Bardot ? Non. Vous vous coiffez comme Brigitte Bardot ? Oui. T'en reviens toujours aux cheveux. Ah. Ben oui, mais c'est très capillaire cette émission. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que quand vous avez chantez... l'arrêt au milieu ? Ben comme tout le monde. Hein. Vous avez l'esprit, mais enfin c'est dingue. Mais vous êtes des détraqués. Vous êtes des détraqués sexuels. Ah, alors, attends, laisse-la répondre. Est-ce que vous avez l'arrêt au milieu ? Non. Une frange ? Une frange ? J'ai rarement vu une troupe autour de moi. Attends, elle se coiffe comme Bardot, elle n'a pas la rame au milieu. Avoir autant de difficultés. Ah, heureusement, ça y est, on a Stevie, parce que là, quand même, il va falloir. Non, mais alors, qu'on fasse rentrer notre invité. Stevie, notre invité à 3. 1, 2, 3, c'est. Laetitia Casta. C'est vrai ? Non plus. Europe 1, on va se gêner. Attention. Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Confidence de Florian Gazan, j'ai rarement été aussi perdu. Et c'est vrai qu'ils ont l'air bien perdus, mes camarades. Est-ce que vous avez fait partie d'un jury ? Non. Est-ce que vous avez participé à la ferme célébrité ? Non. Est-ce que vous faites, vous avez fait partie d'un groupe complètement, complètement dingue ? Oui. T'as l'air... Bon, pardon. Moi je crois que j'ai trouvé. Vous avez de magnifiques jambes invitées. Hein ? Si vous avez des très belles jambes. Alors, si vraiment vous avez trouvé. Oh bah alors. On attend, on est pendu à tes lèvres, Laurent. Ah ! Alors ? Isabelle Motreau a trouvé qui était notre invitée. Parce que toi, tu regardes les jambes des bonnes femmes. Ah quoi. Non, mais elle, je les ai déjà vues. Stevie, Stevie. Toi aussi. Ah bah oui, bah oui, alors je sais qui c'est. Allez-y, alors Christine. Vas-y. Parce que là maintenant, il faut quand même faire rentrer. Ariel Dombal ? Alors attention, Isabelle Motreau à 3, notre invitée, c'est 1, 2, 3. Frigide Bardot. Barjot, Brigitte Barjot est notre invitée. Ah mince. Brigitte Barjot qui entre enfin dans ce studio. Rayonnante. Mais elle, je suis si contente d'être là, c'est tellement gentil de m'inviter. Elle vient de publier chez Plon Confession d'une cato branchée, on va y venir, c'est un gros livre, ouais, on va y venir. C'est un étouffe chrétien. Ah oui. Non, je rigole. Il s'avale très vite. Alors, on va y venir au contenu de ce livre, parce que c'est, il est très intéressant, très amusant, intéressant. Et on sait qu'effectivement, vous êtes une des. D'ailleurs, vous dites vous-même dans le bouquin, la cato qu'on invite sur les plateaux pour. Il n'y en a pas d'autres. Christine Boutin, mais c'est pas pareil. Voilà, oui, et non, puis on arrête, oui, c'est ça. C'est aussi pour que ça soit un peu plus. La cato branchée, mais alors mes camarades ont été nuls ici parce qu'ils vous connaissent tous très bien. Ah, il faut non, dire. Ce qui est rigolo quand même, c'est comme j'ai quand même fait un petit bout de chemin avec vous il y a un moment et que vous ayez. Enfin, pardon, vous n'ayez pas pensé. Et, enfin voilà, c'est rigolo quoi, ça m'amuse. C'est rigolo. La première chanson que j'avais diffusée. Ça, j'ai pas compris. Paul Personne et la chanson s'appelle Barjoland. Ah ouais, mais faut connaître. Ah bah oui, là, il faut connaître. Ouais. Mais le premier indice, il est toujours difficile. Moi, j'avais reconnu Paul Personne, mais j'en ai resté là. Mon nom est Personne, c'est un film. Non, ça va. Le deuxième, c'était évidemment Guy Béard. Et l'indice, c'était Gérard Daboville. Expliquez pourquoi. Eh bah parce que Gérard Daboville m'a demandé aux élections municipales, les dernières, là, d'être sur sa liste dans le 15e arrondissement. Ça m'avait amusé parce qu'il se présentait contre les gars de la mairie, alors on est un peu rebelle si tu veux, et on a ramé, on est arrivé au deuxième tour et là il m'a viré. Brigitte Bardot évidemment, alors bon là ça va de soi. À quel moment vous avez pris ce pseudo Brigitte Bardot alors? Quand je suis rentrée à Jalon, le groupe dingue donc Isabelle avait bien nommé, avec Basile Decoq. Et quand j'ai voulu rentrer à Jalon, il fallait que j'aie un pseudonyme d'autodérision. Il m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires par-dessus tout, même? Et moi, j'ai dit Brigitte Bardot. J'étais déjà décalée, comme vous voyez. Et il m'a dit, donc, Bardot, Barjot, ça te va très bien. Oui, c'est pas, et c'est on pas va faux. Trouver sur Brigitte. Moi, j'étais très amoureuse de lui. J'essayais de sortir avec lui. J'y arrivais pas. J'étais dans une conquête de Basile. Et un jour, il m'appelle et il me dit, j'ai trouvé, tu seras frigide. Donc, je lui ai raccroché au nez. Je lui ai dit, tu es un mufle. Et nous ne nous marierons jamais et nous n'aurons jamais d'enfants ensemble. Et vous en avez deux quand même. Parce que je me suis allée me faire une bonne cuite au banana café. Ah. Que je me suis réveillée le lendemain. Ça fait du bien, ça remet les idées en place. Je me suis réveillée en pensant Brigitte Bardot. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, ce nom est génial. Et puis, je veux pas qu'il le donne à quelqu'un d'autre. Je l'ai appelé. J'ai dit, Basile, chérie, je suis Brigitte Bardot. On va se marier. On aura plein d'enfants. Enfin, on a alors deux. Que votre vrai nom, au départ. Ah oui, alors.
Pinson. Ah, le Merle, je m'appelle Merle. Ah, Virginie ah, Merle. Merle. Attends, j'avais dit Carole Merle. Ah, ouais. Bah, c'est une lointaine cousine qui est plus haut placée que moi sur les pistes. Un peu plus perchée encore. Voilà, plus perchée, très bien. Virginie Merle, Frigide Barjot publie Confession d'une cato branchée. Alors, c'est très amusant. J'ai bien fait de commencer à lire votre livre parce que parfois, on peut avoir des mauvaises surprises quand on reçoit un invité et qu'on fait semblant de l'avoir lu parce que j'aurais eu l'air malin. Parce qu'en bah fait... ouais, ça commence par vous. Ah oui, alors là, j'ai. Ah, mais à fond les ballons. Mais à fond les ballons. Bah en ouais. fait, si je suis converti. Si vous avez vraiment compris que vous étiez cato à ouais, donf, ouais, ouais. c'est un peu indirectement grâce à moi. Ah, pas indirectement. Ouais. Je rends à Ruquier ce qui est à Laurent. Alors là, je n'en reviens pas. Mais pourquoi pas prêcheur, que t'as fait. Et ben, bah, moi, je crois plus en Dieu depuis que je connais. Et ben, bah, tu vois, Christine, moi, c'est l'inverse. Alors, bah alors coup, les voix du Seigneur sont impénétrables. Je ne connaissais pas l'histoire du tout. Mais voilà. Ah non, franchement, parce que c'est les coulisses des émissions, c'est comment ça se passe. Je connaissais absolument pas cette histoire. Je l'ai découvert en lisant votre. Plus, comme ça, vous apprenez ce qui se passe dans votre émission. Ah oui, oui, en lisant votre livre, j'ai découvert un truc que j'ignorais à propos de l'émission. On a tout essayé. Bah, on va la raconter. Ouais. Suspense, ça sera après la pub. Yes. Oh. Cathodique ou catholique, il faut choisir, c'est le titre du premier chapitre de Frigide Barjot, Confession d'une catho. Branchère, on va essayer de résumer l'histoire. C'est vrai qu'à une époque, vous avez fait partie de la bande de On a tout essayé, pas très longtemps, mais un petit peu quand même. Oh bah quand même, combien attendez, de temps au moins 6 mois. Ah ouais, enfin, j'avais signé au moins pour, je sais pas, 30 émissions. C'est pas mal, 6 mois déjà. C'était et super. À l'époque, il y avait un rédac chef dans l'émission qui s'appelait Frédéric Sio. Je balance, hein, vous avez vu, je mets les noms. Non, mais ça, j'aime bien parce qu'après, c'est vrai que d'autres, je trouve ça, justement, c'est très précis. Votre ouais, bouquin. Ouais. Parce que d'autres auraient dit oui, c'est Ruquier qui voilà, et ce qui aurait été faux. Non, parce que, non, là, c'est très précis. On sait qui est derrière tout ça. Hein. Le rédacteur en chef de l'émission, Frédéric Sio, que moi, pour le coup, je voyais à peine, puisque il était dans un bureau. Moi, je le connais. Et il préparait. Non, c'est vrai. Il préparait, une fois qu'on avait lancé des idées de caméras cachées, les fameuses caméras cachées que toute la bande devait aller faire pour piéger des gens à propos de l'actualité. Et là, alors, vous expliquez, allez-y vous-même. Alors, donc, un jour. En l'occurrence, on était en 2002 ou 2003, c'était le problème du voile islamique. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Bon, maintenant, on en a la burqa, mais on a commencé par le voile. Et il me dit, on va faire un super sujet drôle sur le voile. C'est bizarre, dès le départ, je me suis dit, mais ça, je sais pas, moi, je vais pas rigoler tout de suite. Ça risque d'être un peu touchy, peut-être, comme sujet. Et alors, il me dit, mais non, on a trouvé la parade. Ça pourrait pas être touchy et pas français. Pas de problème, on a trouvé la parade. Tu vas te déguiser en bonne sœur. Interloqué, je me demande naïvement quel est le rapport. Et il me répond du tac au tac, ben toi aussi t'auras un voile sur la tête. Et là, vous expliquez, je trouve ça assez juste. Il avait imaginé une scène où je tenterais de postuler dans mon costume de religieuse à des emplois de type vendeuse de lingerie fine rue Saint-Denis. Oui, le truc, enfin sex shop, il faut dire les trucs. Ainsi, le tour était joué pour éviter de se mettre à dos la communauté musulmane. On se moquait impunément du catholicisme tout en stigmatisant, grâce à cette métaphore comique, le fait discriminatoire des autorités envers le hijab. Simple comme un voile, mais il fallait y penser. Et là, je savais que c'était un con ce mec-là, mais à ce point-là, il vous dit, mais enfin, si tu crois qu'on a le temps de demander à chacun ses convictions philosophiques et religieuses avant de proposer un tournage, il vous a vraiment dit ça? Ah, je vous jure. Mon Dieu. Alors je lui dis, bah pourquoi affreux. Moi, j'ai quand c'est même, affreux. Je crois que ça sait un petit peu quand même. J'étais pas encore la méga catho de maintenant, hystéro, mais à l'époque quand même, ça se sentait un peu quand je prenais. Enfin bon, voilà, on le savait, je le disais déjà, chrétienne en tout cas, je disais. Et là, il me dit, bon bah non, on n'a pas le temps. Et je lui dis, bah alors si t'as pas le temps, moi non plus, je vais pas avoir le temps. Vous avez refusé. Donc. Et j'ai dit, non, mais ça a été dur, hein, mais c'est monté comme une bouffée. Et d'un coup, là, à 8h05 du matin, devant ma glace. Non, je ferai pas la religieuse. Non, mais je lui ai dit, bah ça va être non. En tout cas, ce jour-là, c'est ce que vous écrivez, c'est tout le début hein, du livre, c'est les 5 premières pages. Le livre n'est pas ça. C'est hein, le déclic, mais après, vous dites c'est... aussi que je raconte comme la télé, effectivement, c'est compliqué, que c'est un milieu compliqué pour être vrai. Et surtout, vous dites, c'est le déclic. J'ai compris ce jour-là qu'il y avait un Dieu et qu'il existait parfois des choses plus importantes que l'argent ou une chaotique carrière à la télévision. Bon en fait, ce jour-là, en disant non, j'ai dit oui sans le savoir à Jésus, à la vraie vie. Jésus revient, Jésus. Alors que Jérémy a vendu son âme au diable avec Loana. Ah ben, il y en a qui vont d'un côté ou de l'autre. Hein. Et vous dites en tout cas que depuis, on a pris l'habitude de vous convoquer au moins autant pour servir de punching ball aux ennemis du catholicisme que de bouclier au pape. Je me suis, dites-vous, plusieurs fois retrouvé dans une sorte de fosse au loup, comme dirait Benoît XVI,
française où je tenais, mais c'est raccord après tout, le rôle de martyr. Tout est relatif. Tout est relatif. Oui. Ah, vous racontez, bon, je l'écris, d'accord. Vous racontez. Tout va bien. Hein, ouais, ouais, vous racontez effectivement les confrontations sur différents plateaux. Comment est née aussi votre foi? Tout ça, ça fait quand même. Non, mais c'est la première fois que vous écrivez un aussi gros bouquin. Oui, mais Frigide. Ça, alors là, ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que je pouvais pas dire. Effectivement, je suis pas écrivain. Là, c'est la première fois que je suis auteur moi-même. Mais pendant 20 ans, avec Basile, j'ai participé. Oui, les conneries, les pastiches. Et pas que les pastiches, des vrais bouquins. J'élève mon mari, vous souvenez pas, c'était super drôle. La philosophie de Stevie. Eh ben, et oui, exactement, c'était. De Stevie à Cro-Magnon. De Cro-Magnon à Stevie. De Cro-Magnon à Stevie. C'était, ouais, c'était quoi? C'était. L'art universel de la c'était pensée. C'était deux ans. Non, lui, oui, c'est l'histoire universelle de la pensée de Cro-Magnon à Stevie. Parce qu'une fois qu'on a atteint Stevie, on a fait le tour, on est arrivé à. On revient au Cro-Magnon. Si tu me permets. Après, j'étais socratique. Oui, tu es pré-socratique. Mais... Voilà. Près de 400 pages, Confession d'une catho branchée, c'est chez Plon, un bon éditeur. En plus, hein, vous rendez compte, franchement... c'est même pas les cathos qui sont venus me chercher. Je voulais juste dire une chose, c'est pas évident d'être catho toujours à la télé, effectivement, mais même chez les cathos, quand on est branché, c'est-à-dire avec ma mini-jupe, ils sont pas toujours très contents. Les plus agréables avec moi, les plus aimables, c'est quand même les évêques et le cardinal. Le pape, je l'ai pas encore vu. Ah si, je vous ai pas dit le premier exemplaire, c'est allez-y. Jean-Paul II qui l'a eu. J'étais à la béatification et, oui. Et j'ai pu, au milieu d'1,5 million de personnes, comme quoi les miracles existent, j'ai pu passer devant le cercueil en moins d'une heure, je sais pas comment, mais... et j'ai tendu mon livre en disant au gars, là, l'huissier, vous pouvez le poser dessus. Il m'a dit, vous êtes folle, il y a 1,5 million de glands qui vont vouloir faire la même chose. Il m'a dit, mais chut, pour vous, je le pose par terre à côté. Et il a eu le premier exemplaire. Vous êtes tous dedans. Je vous fais remarquer que vous êtes direct au ciel. Confession d'une catho branchée. Elle est drôle. Et merci pour les mots sympas, parce qu'il y a des mots sympas sur moi, mais aussi sur Thierry Ardisson. Vous dites quand même l'ouverture d'esprit et la fidélité. Voilà bien les qualités qui font les grands seigneurs de la télé et de la radio. Merci. Vous direz, et c'est ça qui me fait rire surtout. Je dirais de Ruquier et d'Ardisson qu'ils ont quelque chose en eux. De Jésus-Christ. Un peu comme Johnny Hallyday. Eh bien, mes très chers frères. Mes très chers frères. C'est qui Judas? C'est qui Judas? On a nous. Mes très chers frères, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi à 15h30. Alléluia. Demain et dimanche, les best-of à 16h. Bye bye. À vous, Nicolas Poincaré.